la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière à Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. On dit la force d'un pays, d'une nation, c'est son armée. On a bien expliqué. Parce que l'armée sert à sécuriser la nation. The army is to secure a nation. Je voulais prendre l'exemple de la Corée du Nord. C'est vrai que les gens créent, ça crée ce qu'ils avaient créé, mais parce qu'ils ont la bombe nucléaire. They call the nuclear bomb. Les frères étaient séparés, non? Their brothers. Il y a qui dit, il est au sud, l'autre dirait son nord. Lui, il a essayé, bon, il a ça vraiment. But when he tried, on a qu'à être ensemble. Parce qu'on ne sait jamais. Be together, because we never know. Ils sont en train de se mettre ensemble. Donc, il y a des gens, quand vous avez les nations sont obligées de vous respecter. Comprenez? Ils sont obligés de vous respecter. They're obliged to respect you. C'est son armée. The strength of a nation, it's armed. C'est pour ça que vous avez un ministère de la sécurité. C'est partout. Même nos Facebook. Even on Facebook. On sécurise ça. Parce qu'il y a beaucoup de pirates maintenant. Because we have too many même quand on n'a pas d'email. You don't even have email. Même le téléphone. Even the cell phone. Moi, j'ai cassé tous mes téléphones. At a certain time, I used to break my phones. L'opérateur iPhone m'a dit. And iPhone told me. C'est la force d'un téléphone. The strength of a cell phone. J'ai dit non. Il dit ok. Quand tu achètes le téléphone, when you buy a phone, il faut protéger. Protect it. J'ai dit mais comment? Il dit non, si tu ne protèges pas, ça va se casser. Protect it. Oh, tout le monde fait, on achète, hein? And everybody know that. Portable en main, ça va se tomber. Ça va tomber. Ça dit qu'on achète, mais on ne pense pas comment sécuriser le portable. Et moi, we know how to secure it. Toi-même, tu es paniqué. Et c'est depuis ce temps-là. Mon portable, quand ça tombe, ça se casse pas. Mobile phone is down. Parce que j'achète le portable. Il faut sécuriser le portable. The mobile phone. But I need to secure it. Il faut mettre un truc en bas. You need to put et puis l'écran. Il faut sécuriser l'écran. And the screen. Et depuis ça, même, mon portable, si tu veux, jette au mur. Can we throw it? Vous voyez, donc l'être humain pense comment sécuriser. The human being. J'ai une maison, on pense comment la sécuriser avec les barbelés, des chiens. You're thinking how to secure. Des vigiles. Vendors. Les ministres, ça c'est toute une armée qui est déployée pour le protéger. Mais elle là. What about the soul? Elle là. C'est vrai qu'on réfléchit comment protéger le corps. How to protect the physical body. Et là. But what about the soul? Les gens ils s'en foutent de ça. Oh, qu'est-ce qui nous fait? But we are human beings, we call ourselves. C'est ce qui te fait. C'est ton âme qui te fait. Your soul. Ça veut dire c'est ton spirituel. Tu dors dans la maison, mais ton spirituel n'est pas protégé. But your spiritual is not protected. Amen. Ton âme. C'est pour ça que pour d'autres personnes, le diable vient les brigander. Sometimes the devil comes every day to frighten them. Moi qui viens, c'est qu'en rouge là-dedans. Bien que je prie. J'ai bien sauté. Je libère son âme. You release her soul. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Toi. You. Lâchez son âme. Release her soul. Lâchez son âme. Release herself. Lâchez son âme. Release herself. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Lâchez son âme. Elle est ici.
Mais son âme est attachée dans un arbre. Her soul is tied in a tree. Voyez le corps physique. Can you see the physical mais l'âme en danger. But the soul is in danger. Elle va avoir problème de santé. So she will have trouble. Et ça serait comme des mises en scène, de créer des problèmes de santé. Et puis un matin tombe, elle est morte. Elle va saigner. Et puis on met ça sur la maladie. Or, le travail mystique a été déjà fait. The mystical butcher has already been done. Il y a des gens qui marchent, mais qui n'ont pas leur âme. But some people are working. C'est difficile pour d'autres personnes de comprendre. Parce qu'ils n'ont pas la révélation des mystères. C'est ça le problème. Because you do not have the revelation of the ministry. Tout cela tu sécurises ta vie. Why don't you secure ta maison? Your house. Et ton âme. But what about yourself? Et ton âme. What about your soul? Oh, c'est le spirituel qui nous fait. Yeah, we are human beings because lâche of the spirit. Release it. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Je proclame ta délivrance ce matin. Your deliverance. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. De Nazareth. Lâche-la. Release it. Lâche-la. Release it. Lâche-la. Release it. Lâche-la. Release au nom de Jésus. Libérez-la. Voilà. C'est un esprit de mort qui se manifeste. Finis la parole et la délivre. Le goût de délivrance à les épaules. Soulevez la viande. On your soul. Et ton âme. What about your soul? Vous avez combien pris les aveux? On a pris son âme. On a pris son âme. Mais tu seras je comme. Couché ici. Jusqu'à en bas. Mais il l'a. But what about the sun? N'est pas sécurisé. Donc celui qui a le pouvoir ici peut traverser le nid et aller te détruire. C'est ça qui quand même tu penses au physique. Tu n'es pas que physique, tu es aussi spirituel. Il faut penser au côté spirituel. C'est ça le problème, monsieur. Il ne pense pas au côté spirituel. This is people's trouble. They don't think about the spiritual. C'est ça que l'ennemi vous détruit facilement. That's why the enemy. Parce que vous commencez à sécuriser les choses. Vous ne sécurisez pas vos côtés spirituels. Et on a vu ça dans le psaume 80, 17, verset 10. Très bien. Verse 10. Très bien. On dit Dieu protège l'âme de celui qui est le mal. Quand tu es le mal, Dieu protège ton âme. Pour que ton âme soit en sécurité, tout dépend de toi. Il faut quitter le mal. Quel est le camp que tu as? Il faut faire les choses de notre Dieu. Sans ce moment-là, Dieu te l'a protégé. Tant. C'est tout. That's all. Alléluia. Amen. Et on a aussi parlé de. And we also talk about. Des affaires. Of businesses. Quand tu veux prendre une maison. What would like to have a house? Comment aller consacrer la maison? How to allow the house. Il faut inviter Dieu dedans. To invite God in it. Tu consacres la maison de lui dans le champ, tu consacres. Et j'ai parlé de l'aspect, il faut que notre destinée soit consacrée, orientée par Dieu. Destiny, it must be hallowed. Il faut qu'une action soit menée. God. An action must be done. Lui dans le champ. And not in oil. Amen. Amen. Le psaume 91, 89, le verset 21. J'ai choisi David mon serviteur, je l'ai moins de mon enseigne. I've chosen my servant. Mon bras le fortifiera. Et ma main le soutiendra. J'écraserai devant les ses ennemis. Donc il y a des actions qui sont très importantes. La consécration de David. Ça veut dire que ça brise les hôtels sataniques de David. Ça veut position de ta destinée. Amen. On a parlé de des affaires. We talk about businesses. Quelqu'un qui fait un business dans la voiture. Les choses ne viennent pas là, c'est sûr. Came back on it. Tu veux faire une voiture. Like to have business. Comme des voitures. Sell cars. C'est la voiture. It is the car. Et tu dois faire comme offrande. That you must give my. J'ai étudié un peu les actions prophétiques. I started. Je suis revenu pour la prière. Je vais vendre des voitures. I would like to sell some cars. Si je veux que Dieu vienne aider mon business, to bless my business, je suis obligé de faire une offrande de voitures. To offer. D'abord. Car. Avant de commencer le commerce. Starting my business. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux. Et la terre. Il commence par le ciel. Et après, il vient sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui apporte la pluie sur la terre. Or, si tu commences par la terre, où on rappe la pluie pour arroser la terre? C'est pour ça que les Juifs, vous voyez, that's why the Jews, ils sont toujours bénis. Parce qu'ils savent comment créer la lionne. Amener Dieu à l'être dans leur business. In their business.
Tu as commencé, mais Dieu n'est pas dedans. You started, but c'est pas les prières qui a dit Dieu. Not c'est l'action menée. That's ouais, the actions. Amen. Amen. On dit amen. 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 Ils ont vendu le terrain, c'est la même chose pour donner le terrain. C'est dans la dans de voiture, c'est même pareil. Dans la maison et tout ça, c'est comme ça. That's à partir de là, Dieu établit une alliance. Dieu se sent dans l'obligation de te bénir. C'est comme ça qu'on sécurise nos affaires. This is the way we have to vous avez un salaire, vous payez, vous ne payez même pas la vie. But you don't even pay your tea. Ça ne vous dit rien. This is nothing. Et vous vous plaignez. For you. And you complain. Dieu se moque. God is mocking at you. And looking at et sa part. What for his part? Et la part de Dieu. For God's part. Donc lui, vous ne faites pas pour lui. You don't do et puis il n'a pas venu faire pour and vous. You want him to attends, do vous le prenez comme react for. C'est ça le problème. That's the trouble. Tu crées un champ. It creates. Tu as des cacao. Tu ne fais rien pour Dieu. You don't do anything for et toi, tu veux que Dieu fasse pour toi. And you want God to do something for you. Je suis désolé. I'm sorry. C'est comme ça Dieu est. This is the way. Dieu nous aide. Amen. Really donc, on essaie de toucher ça, il faudrait. So s'ouvrez ou Dieu à l'œuvre dans votre vie. Life, il faut toucher l'action. C'est pour ça que Dieu a demandé de bénir Abraham. Il a demandé Isaac. Abraham, il a donné moi Isaac d'abord. Il yeah. Isaac first. C'est quand il a donné Isaac que Dieu a donné. Isaac, he has been blessed. Vous connaissez Dieu. Dieu ne bénit pas ton business parce qu'il n'est pas dedans. Because he is not uncertain in it. Il y a des fois que j'ai pris, il m'a gêné avant de commencer. Ça ne veut rien dire. C'est pas partout où on gêne. Les jeunes, c'est pour les délivrances. Mais pour business, les voitures, c'est la voiture qui doit venir de nos seigneurs. C'est un offre. Oh là, c'est difficile. That, you know, that this is difficult. Mais un bon sacrifice, c'est ce qui est difficile. A very good sacrifice is very good. Quand Abraham prenait Isaac, comment il était passé? Isaac, you know what on dit Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils en sacrifice, son fils unique. His son Jesus. À cause de ça aujourd'hui, l'action de le diable ne peut pas s'arrêter de mort. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice a été fait, donc l'alliance a établi, c'est tout. Jesus sacrificed. Dieu lui-même, il nous donne l'exemple en établissant une alliance, en donnant Jésus. Toi, qu'est-ce que tu as donné? Établir une alliance, c'est tout. To establish a general business, you and your ministry. That's why it's a you must sign a contract, Jesus. You can't do it any time. Que Dieu nous aide. Amen. On m'a bien saisi. Amen. La chose que je déteste sur la terre, the thing that I hate on her, c'est la pauvreté. Is poverty. Qui aime la pauvreté? Who likes poverty? Qui aime la pauvreté? Oh, il y a des gens qui aiment ça. People. C'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Amen. Le président Sekou, c'est où il mange pour manger le meal, eat, et donc je l'ai invité à manger. And I invited him to eat. Il dit non, lui n'a pas envie d'entrer. Said, no. C'est pas toi, c'est moi qui t'invite. Il a assis. Il a peur de prendre le menu. He was afraid to take. Quand vous rentrez dans les restaurants, là. On appelle ça menu. C'est-à-dire, c'est pas monsieur, poisson qui est gros là, c'est pour moi. Hein. Don't even say, oh, I need this big fish. Non, no. Là, tu as assis, you are et puis tu vois, les gens t'apportent un carton comme ça l'appelle. T'as plus de menu, tu choisis. Menu, so that you can choose. Lui, il regarde, il ne peut pas choisir. He was looking at the mais le prix, voilà. Because of the price. Non. Donc on a choisi. Donc il lui demande mais qu'est-ce qu'il y a? In hours. Non, il veut me parler. And he said, I want to talk to you. Il veut me parler. Tu as me dit quoi encore là? Il y a quoi sur la voiture? Il dit non viens. Parle à mon oreille. Il dit le petit plat fait 25 000. Pour lui donner. 25 000. Le petit plat, hey, regarde, le petit plat, il fait ça avec 25 000. 25 000. Il est bien calme. Very good. Donne-moi ça. Very good. Non, le Dieu, non. Il dit, faut t'asseoir. Non, c'est non. Il dit, non, lui. Ah, il va mourir.
un plat de 25 000. How can I eat lui, a meal for 25,000? Et lui, mais est-ce que c'est toi qui t'envoyais dans le restaurant? Is it you? Et non, mais... He said, no, but... Les 25 000 dollars. But they're going to give me the 25,000. Et te montrer. Je pense à rien. Je l'ai dit non. And I said no. J'ai une mentalité de pauvre. He held. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé à dire. Je lui ai dit, vous pouvez aller acheter un bidon tout nous. Vous combien là? Faut pas aller chez toi. Go and buy second hand. Que Dieu nous aide. Ah, ça arrive. Il y a des gens qui sont abonnés. Chez Diallo, 15 balles. Il y a des temps de Diallo, de vous qui n'avez plus les temps où on ne peut plus. C'est une question de mentalité. C'est un esprit que vous devez combattre. It is a spirit that you need to fight. Il faut avoir un esprit de grandeur. You need to have. Voilà. Donc, la mentalité des pauvres, vous devez chasser ça. Je ne vous dis pas d'aller manger un plat de 25 000. Quand ça s'est fait, quand ça s'est fait, quand ça s'est fait, quand ça s'est fait, voilà. Alléluia. Donc, si vous voulez être élevé, il faut changer de mentalité. Change mentalité. Voyez-vous comme quelqu'un qui doit être là. See yourself au milieu de cette grâce. Quand toi, tu veux vivre là, tu dis, non, c'est comme au milieu. Non, mais ton ministre, c'est what I have to be. Non, je suis le gars. À où ça va? Gaba. I have to go and eat. C'est là où je peux m'asseoir. Moi, il faut pas être. C'est là où je peux m'asseoir. How can I go to the rest points? Ah, moi, je peux pas être. What am I going to do here? Moi, c'est Gaba. Moi, poisson jaune, c'est pour moi. Je choisis les quatre poissons de ton là. C'est ça, ils mangent. Ah, j'ai dit ça. Comment tu peux évoluer dans cet esprit-là? How can you go ahead in this, with this? Donc tu marches à un mois. So you work on. Tu dis viens manger, puis tu as peur. On te dit c'est pas toi qui payes. Tu as peur. Tu dis non, n'a pas de donner. Tu dis non, si tu manges, bon, n'a pas de donner. You have to give it to me. Tu vas avoir un esprit du grand. You need to have voiture, j'ai tiré son image, j'ai mis sur le tiroir de ma chambre. Quand je regarde ça, je prophétise ça. Amen. J'ai dit, je pousse cette voiture. J'aurai cette voiture. J'aurai cette voiture. Tout dépend de moi. Il faut avoir l'esprit de grandeur. Depends on tu veux être millionnaire, tout dépend de toi. Well, wealthy. Vous êtes Dieu, vous êtes là la dernière fois. Qu'est-ce qu'il fait de moi? Parce que papa. My house, even though it doesn't be. Comment payer la maison? Comment payer ça? How to pay this and that? Ne vous inquiétez de rien. J'ai un esprit de grandeur. Chez moi, ça va se faire. Bon, n'aie pas peur. Marche avec l'esprit de grandeur. Great spirit. Si tu veux être grand, il faut avoir cette mentalité. Il faut avoir cette mentalité. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Si tu veux être grand, great. Entrez dans la vision de Dieu. Enter God's vision. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham, Dieu ne rend pas les gens petits. Ah, il les rend grands. That's God. Donc faut changer de mentalité. Great. Moi-même depuis là. C'est aujourd'hui je vois les choses, mais dans le futur je me vois grand. Parce que quelqu'un qui rêve, c'est un futuriste. Tu vois tes mains. Great. Tout est possible avec Dieu. I have 45 years.
Dans l'aiguille, elle est petite. Demandez à Brigitte. Ask him in Brit, what is she? Elle va te parler de Macron. We'll talk to you about Macron. Prenez. Ça vous fait rire. Amen. Ça vous fait rire. La vie est Brigitte. Et là, vous allez. Elle est petite. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas avoir? T'as ta politique dans le Seigneur. Les gens sont bloqués dans la tête, non? Parce que moi-même aujourd'hui là, quelqu'un peut me regarder. Et puis me marier. Si tu vois, comme ça, tu n'auras jamais marié. Avec la résolution répondra le succès. C'est ce qui est dans ton cœur que Dieu t'offre. Il ne voulait plus être mendiant, c'était son métier. Son métier, c'est la mendicité. Mais il voulait que ça. Il voulait travailler, gagner plus. Parce qu'il voulait travailler, gagner plus. Parce qu'il gagnait des miettes. C'est pas tout le monde qui donne un mendiant 10 000, c'est pas tout le monde. Non, everybody can give 10,000 to the beggar. Mais si le mendiant gagne 10 000, il n'y a pas beaucoup. Il calcule ce qu'il met son avenir est hypothéqué. His future is really broken. Et parce que tout mon temps c'est laissé différent. Comment on te regarde même mon air, pour regarder. Vous voyez, les gars, donne l'ailleurs, mon Dieu. Et puis, oh, lui, là, ça, là, ça ne donne pas. Une petite pièce vaincue. On va photocopier un papier. J'étais, c'est quoi mon chauffeur? Je n'avais pas de monnaie. I didn't have. Ah non, j'ai le journal, on va acheter un journal. Et puis, il a donné la pièce. Et puis, il a dit, pièce là, c'est trop gratté. Il ne prend pas. Il ne prend pas la pièce. La pièce est trop grattée. Donc les gens, ils prennent ce qu'ils ne veulent plus là. Qui dort, comme on dit. Donc Bartimée avait fait tout ça pour le temps. Il a dit non. He said no. Aujourd'hui, today, il faut que Jésus le délivre. Il faut qu'il travaille. Qu'il se construise une maison. Ça pense à Jésus qui l'a délivré. That's why Jesus delivered him. Parce qu'il voyait loin. Because he was seeing very far. C'est possible le travail. It's possible. C'est possible le mariage. It's possible. C'est possible l'enfantement. Amen. Le monsieur dit qu'il voulait des jumeaux. Il a donné des jumeaux. Mais comme Dieu savait qu'il ne pouvait pas prendre soin, il a pris un autre. Il a montré le jumeaux. C'est possible. He took just one. Faut pas virer cette mentalité. The moment, moi, je ne dors pas avec l'échec. Quand je me lève matin, when I wake je me complète et je dis je serai comme ça, c'est moi. C'est comme ça, c'est dans ma vie. This could be my life. Parce que je suis celui à qui appartient l'or et l'argent. Il est avec moi. The Lord, et ce qui fait vivre le juif, c'est sa foi. What is, c'est pas son what argent. The writers, c'est pas de sa famille biologique. Ah non, ma famille est non. Family. Et le juif vivra par la foi. C'est la foi. The or, writers, la foi est spirituelle. Et fait la chimie de son expert. Et c'est démon. Ne vis pas cette mentalité de faux. D'échec. Est-ce que moi j'ai réussi dans ma vie? Entre à Dieu. Pourquoi cette manière de raisonner? Pourtant tu as Dieu. Il faut changer de mentalité. Dis Amen. Dis Amen. Dès que tu changes de mentalité, tu composes à la foi. Il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Bartimée a dit exactement ce qu'il voulait. And he said exactly what he wanted. Il pas besoin d'argent. I don't need money. Il pouvait dire à Jésus, donne-moi l'argent. He could say je vais pour la vie. Pour travailler. Pour travailler. Amen. Like to parce qu'il faut que je construise. Jésus l'a béni. Dis Amen. Bless Amen. C'est fini. It's il faut changer de mentalité. Et les gens qui t'en vas, tu reviens. Ils sont même chose. Ils sont même chose. Ils sont. Tu lui demandes, il y a quoi? C'est comme ça. Moi-même, l'anglais, je suis venu accompagner les gens. Ils ont compassion. Maintenant, il est su. Je suis les sacs. Sac à main. And now they je me demande, est-ce que Dieu ne voit pas? Vous voyez? La mentalité de cette personne. Elle se demande si Dieu. She's asking if God. Est-ce que toi tu composes avec Dieu? Do you discuss with God? Dieu ne rejette personne. God never rejects il anybody. Il n'y personne. He doesn't reject il anybody. Il demande d'être connecté à lui. Et cette connexion, c'est la foi. Ça dépend de comment tu le vois. It depends on the power. Si tu le vois comme un petit, c'est la petite chose pour toi. Quand small, that's quand je suis venu à Tibo, j'avais rien. J'avais ma foi. But my faith. Amen.
Mes voitures, je les ai achetées par la foi. Mes voitures, je les ai achetées par la foi. J'étais à Zaroko, comme envoyer la voiture, Laguna, à Zaroko. Amen. Ma foi. My faith. Toi, t'as quoi? What did you have? He pleure. He cried. Soyez des hommes de foi. Amen. Que Dieu bénisse. Dis amen. Je vais poursuivre l'enseignement ce matin, notre enseignement. Je vais parler de la nouvelle naissance. On avait parlé de la maturité, n'est-ce pas? On avait parlé de la maturité. Aujourd'hui, on va parler des naissances. C'est quoi? On dit nouvelle naissance. Amen. On peut acclamer le Seigneur. La nouvelle naissance, ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Amen. Si tu écoutes ce matin ce message, ça te fera du bien et ça apportera beaucoup de choses à ta vie. La nouvelle naissance, c'est ça, c'est important. Viens que je prie pour toi. Je peux te sortir de ton mari. Je te fais bénir parce que ton frère, il abuse de toi. Tu es sa femme en sorcellerie. Et celui qui est la femme de tous tes malheurs, il t'a enfermé dans une tombe. Parce que la fille que vous voyez là, elle sera très riche. Amen. She is about to become rich. Je te dis une chose. Faut compter. Let me tell you something. À partir de maintenant. But from today. Jusqu'au 11e mois. Till 11th month. Dans le 12e mois, qu'il y a un an. Within a year. Tu vas aller vivre hors du pays. Mais je te dirai ça toi et moi. I'm telling you. Et c'est là-bas ta vie. Your life. Ton étoile est costaud. Your old star is very big. Ton frère a chié la gâtine. Your brother, put you in garbage. Ça va? Je vois un Jamaïcain dans ta vie. I can see it, man. Jésus, reçois cette onction ce matin. Je prie, le pouvoir de la sorcellerie. The power of witchcraft. All the life. De la sorcellerie. Power of witchcraft of the life. De la sorcellerie. Witchcraft. Le pouvoir de la sorcellerie. All the life. Come! Come! Je libère ta destinée dans le nom de Jésus. In Jesus name. Et ce matin, this morning, tu reçois la délivrance. You receive the dans le nom de Jésus Christ. In Jesus name. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Reçois la grâce. Receive the grace. Reçois. Receive la grâce de Dieu. Reçois. Yes. Reçois cette grâce de Dieu. Receive reçois. This grace. Reçois cette grâce de Dieu. Reçois. Receive this grace. Reçois cette grâce de Dieu. Receive. Reçois. Reçois la puissance de Jésus. The power of God. Dieu te bénit. God bless you. Dieu prend le restauré dans ta vie, dans toutes tes voies spirituelles. La gloire. The glory is to God. Tout se normalise maintenant. Les choses ont commencé à se normaliser maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. In Jesus' name, broken. Les choses ont commencé à se normaliser dans le nom de Jésus-Christ. Right in your life. Libère. Assise. Qui a lu sa Bible cette semaine? Est-ce que vous connaissez où se trouve Bible? Moi, tous les versets sont dans mon cœur. Je vois les gens dans leur bureau et à la Bible. C'est pas mauvais, ils trouvent la Bible. Moi, celle-là, tu viens, je te bombarde un verset. He didn't fight with your verse. J'ai plus de 2000 versets dans la Bible. Dans ma tête. 2000 verses in my mind. In my head. Yes, sir. I have it in my mind. Apprenez à lire la parole de Dieu. Amen. Le diable souvent vous flash des choses. Vous avez peur. Vous n'êtes pas raciné parce qu'il n'y a rien en vous. Vous n'avez pas la parole de Dieu. Donc il vous gagne ce terrain. C'est dangereux. Jean le chapitre 3, le verset 1 à 6. Lisez la parole de Dieu. Jean chapitre 1, chapitre 3 du verset 1 à 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit. Jésus lui répondit.
En vérité, deux fois. Parce qu'il y a la troisième vérité. Il y a le chemin, la vérité, la vie, lui-même, troisième. Or, le chiffre 3, vous savez ce que le chiffre de Dieu. Donc, c'est une pure vérité qu'il attendait de dire. En vérité, lui, la troisième vérité. Allons-y. En vérité, je te le dis. Mm-hmm. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, le gars est paniqué. Comment un homme peut-il naître encore quand il est vieux? Et puis, il naît encore pendant qu'il est vieux. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Il doit encore repartir dans le ventre de ma maman. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Très bien, tu t'arrêtes là. Il dit que si un homme naît d'eau et d'esprit. Amen. On dit amen. Amen. D'eau. Vous savez très bien que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est symbole de vie. Donc la vie, d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voici la déclaration, voici la parole de Jésus. C'était une conversation avec un docteur de la loi. C'est-à-dire le vieux père de Jésus. The elder of Jesus. Il est la doctorat en théologie, il maîtrise la doctrine de Jésus. Mais il constate que. But he noticed that. C'est que le petit affaire. C'est trop puissant. Is really powerful. C'est différent de lui. Very quite different from what he is doing. Donc lui part avec Jésus. So he went with Jesus. Au moment où les gens critiquaient Jésus, dit non. Someone criticized Jesus. He said no. Moi, c'est qui le monsieur fait là? What this man is doing? Si Dieu n'est pas avec lui, if God is not with him, il ne peut pas faire ça. He cannot do it. Moi, je suis docteur de la loi. I'm a teacher. Mais j'arrive à me soumettre à son autorité. And be submissive to his authority. Non, si tu n'es pas lui, il ne peut pas faire. He cannot do it. Jésus le regarde. Jesus was looking at him. Jésus comprend. Jesus understands. Intellectuellement parlant. Intellectually. Il est assis. Is really good. Mais il avait un problème. But he had a trouble. But his problem was. Donc Jésus dit carrément. Il dit, si quelqu'un ne naît de nouveau. If the world comes to learn. Il ne peut pas. Il apprécie Jésus. He cannot enter. Et du coup, il ne s'attendait pas à cette réponse. Really appreciated Jesus. Jésus dit, but celui qui n'est pas ne peut pas entrer dans le royaume. If you don't donc il est choqué. Can I enter the kingdom of God? Is really strong to us. Mais la réponse de Jésus nous amène à comprendre les limites de Nicodème. Bien qu'il soit docteur, mais il était charnel. What he was. Amen. Il était un homme de la chair. The man of the flesh. Il était de la chair. He was from the flesh. Donc il comprenait les choses terre à terre. He could understand things. Il y a des gens qui sont à l'église, qui viennent, mais ils sont charnels. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Understand. Il avait tout cette doctorat en théologie. His doctorate in theology, but he didn't understand. Comme moi vieux là. So, je n'ai qu'encore rentré dans le ventre de ma maman. You want me to enter my mother's womb? And be born again. Jésus a répondu et remis sa tête. J'ai compris que ce monsieur avait un problème. Il dit, celui qui n'est né d'eau. If you don't born, et d'esprit. Ah, c'est grave. D'eau. No birth, la vie. Ton esprit humain. Spirit, doit changer. Human spirit must change. C'est-à-dire quand tu es dans le Seigneur. If you are in the Lord, le jour tu décides. The day you decide, de vivre la vie de Dieu. God's life, tu n'es plus la même personne. You're no more the same person. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne. You must become a new person. Pourquoi? Why? Parce que c'est une nouvelle naissance. Because it is a new birth. Ton identité change. Your identity is changed. Tu nais dans une nouvelle famille. You're born in a new family. Qui est la famille de Dieu. A family of God. Elle a ses lois. So it has its laws. Comprenez un peu. Comprenez un peu. Do you catch me? Tu n'es plus. In non. The world, from the world. Ta vie, so your life doit changer. Must change. C'est vrai, Nicodème, it's true that la loi, the c'est word. Vrai, tu enseignes la loi. You teach. Mais toi, yes, but you, tu es encore mondain. You're from the world. Tu maîtrises la loi, Mosaïque. Tu maîtrises la loi. Tu maîtrises la loi. You have all this knowledge. Mais tu vis comme un païen. You live in like a pagan. Donc c'est là que. That's why. Il faut que ta vie change. Your life must change. Comme à Dieu. When we have God, on n'est plus comme les hommes du monde. No more
the same as people of the world. We need this new birth. Parce qu'on dit on est chrétien. Because when he said we are Christians, ça veut dire, it means j'aimerais une nouvelle identité. I would like to have a new identity. Amen. Amen. Quand j'ai un passeport ivoirien, Ivorian passport. Je suis ivoirien. I'm Ivorian. Soumis aux lois de ma nation. Submitted to my nation's laws. Amen. Amen. Donc, quand tu deviens chrétien, so when you become a Christian, immédiatement beaucoup de choses. Too many things must change. C'est ça la nouvelle naissance. This is the new. Ta vie doit changer. Your life. Si tu cherches un mari des gens, tu cherches. Si tu cherches une femme des gens, tu dois plus chercher. Si tu volais, tu dois plus voler. Stealing, si tu te retrouves dans les maquis, dans les bars, c'est des choses qui doivent disparaître. Bars, et tu dois maintenant te soumettre à la vie de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Ton esprit, your spirit, ta manière de voir, your way of seeing things must change. Sinon, if not, tu n'es pas l'enfant de Dieu. You're not son of God. 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 17. Verse. Sauf à l'église. Ils sont enfants de Dieu. Is a church, but they are devout sons. Parce qu'ils ne sont pas passés à des pas de la naissance. They are not born again. Au lieu d'atteindre 9 mois pour sortir, ils sont des avortons. Ils sont des nés qui sont les avortés. Ils sont les allégués en tant que les avortons. Tu le vois, tu dis lui là. Où est les bébés prématurés qui ne grandissent pas, ils sont tous dans la couveuse. Il vient l'église, une grosse fille. He comes up church with a very big Bible. He doesn't even know where Jeremiah is. If you want to make the experience, you ask where to find Isaiah. How can I ask you to check Isaiah Amen. In the Bible? Amen. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Écoutez, très bien. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Si quelqu'un est ensemble, dans son quartier, dans son service, son entourage, que quelque chose a changé dans la vie de cette personne, dans la vie de cette sœur. Non. Elle a changé. Si ton entourage ne te coupe pas ça, tu n'es pas encore né de nouveau. Dis amen. Non, il n'y a pas eu cette nouvelle naissance. No. Si cette nature, ton comportement ne change pas. No, change. Quand tu es en Jésus, ta femme doit s'arrêter de Jésus. Your wife must know. Si tu l'insultais, tu l'insultes plus. Même si elle avance au cœur. If you endure it, if you used to endure it, you no more endure it. Amen. Amen. Alléluia. Ton Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Son mari n'a plus de mission ou bien? My husband doesn't even have a mission. Et il sortait beaucoup. Non, le patron lui dit d'aller à Taloa. Il y a quoi à Taloa? Une mission arrêtée. The mission is now stopped. Il s'occupe de sa femme. Taking care of his wife. Sa femme maintenant parle moins. Elle a désarmé sa bouche. Her mouth is now disarmed. Elle respecte son mari. Il y a ça aussi qui est important dans un couple. And this is really important. Vous ne soyez pas parler mal au garçon là. Il y a ça aussi qui n'est pas bon. Donc on découvre qu'il change. We can even le monsieur qui était le soulard du quartier, il va changer. The man who was drunk out is now changing. Et les gens découvrent que ton comportement a changé. Your behavior has changed. Celui qui est en Christ est devenu une créature. Les choses en se sont passées. Voilà que toutes choses sont devenues. Donc ça dit, si tu n'arrives pas à ce stade, reach this stage, Dieu ne te reconnaît pas comme son enfant. As his son. Parce que ta vie ne reflète pas l'image des enfants de Dieu. Or, si ta vie ne reflète pas cet enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Respect. Tu seras toujours exposé aux attaques. Tu seras toujours exposé aux choses bizarres. Exposed. C'est ça qu'il y a dit aux gens. To dangerous things. Vous avez le Facebook. That's why I used to say to people, we have Facebooks. Qu'est-ce que vous faites sur Facebook? What do you do on Facebook? Il y a des gens qui viennent insulter les gens. Some use. Notre Facebook doit servir d'un moyen d'évangélisation. A serve. Ou bien.
to worship people. Parce que la politique, un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. La politique, c'est la nuisance, la nuisance. The fact of. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas dedans. That son of God. Là où on voit des gris du bas des autres. To destroy people's image. We're not in it. Un véritable enfant de Dieu. Real son of God. Donc Dieu ne peut pas faire la politique. Cannot make politics. Non politique qu'on fait ici. Our politics. Les blancs peuvent comprendre, mais chez nous ici là, tu ne peux pas. You cannot say it. Vous faites quoi avec votre Facebook? What do you do with your Facebook? Les gens, ils interrogent Facebook. Facebook, dis mon avenir. Facebook dit un blague. Facebook dit ça. Facebook dit ça. Talk about my features. Vous voyez? C'est-à-dire, et leur comportement prouve qu'ils sont mondains. Ils ne suivent que la mort. Ils ne suivent que le monde. Or, quand on devient chrétien, les publications doivent changer. Publishing has changed. Ta manière de voir the way les gens of seeing. Frère, brother, nous sommes dans deux royaumes. We are in two kingdoms. Il y a le royaume de Satan. Devil, ils ont leur mot de la paix, leur monnaie de la paix. Et nous, nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc nous changeons carrément dans nos comportements, dans nos manières de parler, dans nos manières d'interpréter. Je ne peux pas lui répondre à quelqu'un qui parle pour moi. Est-ce que ton comportement a changé? Sinon, if not, tu n'es pas encore né de nouveau. You're not born tu ne peux pas entrer dans le royaume. You're not dans ce royaume-là, les enfants. Dieu ne bénit que les enfants du royaume. Amen. Il bénit les enfants du royaume. C'est ça qui te fait une blessure. Ce comportement que tu as là, si c'est digne, Dieu ne bénit pas n'importe qui. Vous pleurez parce qu'on a des problèmes. Mais ton comportement ne permet pas de te bénir. Parce que ton l'image que tu reflètes, ça reflète l'image d'un enfant de Satan. The one of the vous voulez être ami de Dieu? If you want to be in front of God, cherchez à passer par la nouvelle naissance. Amen. Try to be. Amen. Born again. Passer par la nouvelle naissance. Try to born again. Je voudrais que celui qui devient en Jésus, sa vie, celui qui naît tôt, et des esprits. Nous lisons Romains le chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vous donne le béaba de la chrétienté. C'est la chrétienté, la mentalité, le comportement. Si ça ne change pas, tu as affaire de Satan. Arrêtez ça. Tu viens à l'église, ça ne veut rien dire, tu viens une grosse Bible, mais tu as affaire de Satan. C'est tout. Si tu ne fais pas ça comme ça, après, j'exclus. C'est comme ça. Ça doit se faire comme ça. This must be done like this. Tu dois te rallier, tu dois te faire ça comme ça, c'est le nom de Dieu. Tu ne peux pas aller, tu es enfant du diable. Tu ne peux pas te bénir. Romains le chapitre 12, le verset 1 à 2. Écoutez très bien. Romains chapitre 12, du verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit à offrir votre corps comme des sacrifices vivants. Present your bodies as a living sacrifice. Saint, agréable à Dieu. Saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Est-ce que quand Dieu te voit, est-ce qu'il est content de ton comportement? Est-ce que quand il voit ton manière de faire, est-ce que ça réjouit le cœur de Dieu? That is the question. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Comme les Romains. Ne vous conformez pas comme eux. Ne marchez pas comme eux. Do not work like them. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mon esprit va changer. Tu ne dois plus voir comme le monde. Et quand quelqu'un cherche à vivre selon Dieu. Le monde commence à naïr. Moi, ça ne prend comme un pasteur. Tu veux dire que tu es saint. You like to be si les gens commencent à te persécuter like comme ça, Holy, ça veut dire que tu es dans le cas des enfants. You are now in les gens, on t'invite toujours à aller là-bas. On t'invite toujours. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de t'inviter dans les endroits où Dieu n'est pas. Parce qu'il y a des endroits où Dieu n'est pas. Tu fais quoi là-bas? What are you doing there? Il y a des endroits qui ne sont pas les endroits d'enfants de Dieu. Toi, tu fais quoi là-bas? Dès que tu vas sur ce territoire, tu t'exposes, tu brises le mur de protection de Dieu sur ton corps. C'est fini.
La nuit va te poursuivre. They can even purchase you at night. Il va te poursuivre. La nuit là, j'ai pas pu bien dormir. I didn't sleep well at night because of. Mais tu allais faire quoi sur ce terrain? Là-bas là, tu allais faire quoi là? Why did you go this place? Soyez transformé par le renouvellement de Dieu. Tout Seigneur, nous pouvons nous fuir au Seigneur. Ta bouche, ta mentalité, ta manière de faire, doit appartenir au Seigneur. Must belong to the Lord. Mais les gens, tu les vois parler. When you see some people cherchent à te convertir. They're trying to be converted. Parce qu'il ne faut pas dire que tu viens à l'église. Because don't say that. Mais faut te convertir. Be converted. Il faut changer. Change. C'est ça. That's it. Qui permettra à Dieu de te bénir. C'est pas venir à l'église. God, to come. Faut changer. Si tu ne changes pas, tu ne pourras pas avoir la protection de Dieu. You don't have God's protection. Jamais tu ne peux avoir la protection de Dieu. Parce que tu te comportes comme un païen. Because you behave like a pagan. Comme un diable. Like a son of devil. Et puis vous voulez que Dieu vous protège les malades. You want God to protect you. Est-ce que le comportement que tu as, c'est digne d'un enfant de Dieu? The behavior that you have is it the part of God? Ah, tu vas pas bénir. Tu peux pas te bénir, frère. God cannot bless you. Parce qu'il bénit pas n'importe qui. Because he non, 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 non. Le comportement que tu as, the best, the behavior tu seras toujours dans l'échec. Tu seras toujours exposé à tes ennemis. To your enemies. Parce que tu te comportes comme because un enfant de Dieu. Like the son of devil. Il faut changer. Il y a quelqu'un change. 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 Touch your lips, say change. Even if you're right, if you have to change your behavior. No, you should attack it. Les sorciers sont en train de manier mon oeil. As far as I'm attacking you. Les sorciers mal à mon vent. Je sens quelque chose mal. I feel that something is mal. Dieu protège ses enfants. God protects his sons. Brother, Dieu protège ses enfants. God protects his sons. Passe par la nouvelle naissance. Amen. You go through the new birth. Passe par la nouvelle naissance. Go through the new birth. Tout ce que tu dois faire. Everything you have et ami de Dieu, different of c'est abandonner certaines choses. To give up, qui n'en ont pas le Seigneur. But there's no, we do not c'est possible. Pourvu que toi-même tu comprennes qu'il y a des choses que tu dois laisser. So that you can understand la conversion est progressive, progressivement. C'est possible. Si tu veux, le Seigneur va te dire. Si tu veux, il apportera la transformation. Si tu veux, bien. Pas te plaire dans ce que nous n'avons pas le stay in what does not honor amen. The Lord. Parce que ton image, because your image. It's really you're in the Lord. Vie, when you look at your life, you have the impression of seeing son of the devil. On voit le comportement d'un enfant de the behavior toujours, of the devil. But you always be jamais tu vas te bénir. God will never bless you. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu deviens enfant de Dieu, when you become son of God, un enfant qui ne respecte pas les lois, who does not respect the laws, de la maison. Il est considéré comme un enfant rebelle. Or, le fils de la rébellion, c'est Satan. The son of rebellion is the devil. C'est une famille. Pourquoi toi, it's a family. Tu penses que tu es enfant? Why do you think that you respect pas les lois? Do not respect the law. Et puis, il ne respecte pas les Ivoiriens qui ne respectent pas les lois. Même quand les Ivoiriens sont en France, dès que tu es sur le territoire français, tu es obligé de respecter les lois. Ne dis pas non. Ah, non, encore une fois là-bas, c'est comme ça, c'est sa croix du vote. This is. Ici, c'est la France. You're talking about your country, but here it's in France. If you like criticizing in France, we can even put you in jail. Parce qu'on dit, agression par égard. Tu aimes regarder les gens. Because if you like regarder les people. Regarder les gens. Amen. Ben, tu vas voir deux garçons de s'embrasser. You see two men kissing each other. Est-ce que c'est un garçon qui est passé? And you can even be astonished. Il a moulé ses talons. Ils vont venir t'attraper même une autre mission. They will catch you and put you in jail. C'est délire là-bas. C'est même chose, j'ai dit mon fils. Il dit, mais regardez seulement. On est là-bas où il y a sa voix de prison. Ah, il dit, oh, là-bas, là, chacun il respecte la vie. Sa vie, ça ne t'intéresse pas. Là, quand embrasser quelqu'un qui a moulé, c'est pas pour toi. C'est comme ça, ils sont. That's the way. J'étais à New York, je suis chaud. I was in New York. For a party shot. Dans son sein. Comment que ah, vous aussi, devant moi, vous faites ça. What are you doing? Pardonnez. It's a big deal. Ils s'en foutent. They're fed up. La loi n'interdit pas ça. Donc quand tu es dans une nation, tu es soumis aux lois de la nation. Quand tu viens dans Dieu, tu es soumis aux lois de Dieu.
Une fois qu'il n'obéit pas la loi de Dieu, ce n'est plus le royaume de Dieu. Et c'est ça, tout ce terrain-là, que le diable gagne beaucoup de soi-disant chrétiens. Ça dit, vous revenez toujours. That's why you always come back so that we can pray for you. Parce que vous venez pour qu'on prie pour vous, et quand même pour les enfants du diable. But you still are son of the devil. Donc, je n'en fais de Dieu. When faut respecter you work with God, respect God. Et encore, le problème des gens, and the problem ils n'apprennent pas à respecter même les autorités, les hommes de Dieu. Et ça, c'est le plus grave de soi-disant. Un homme de Dieu, a man of God, peu importe son âge, no matter what his age, dès que tu le désobéis, if you disobey, vous partez, if you go, un procès. So it que tu penses que tu as raison, and Dieu se met de son côté. God will be by. Vous dites pas amen. Amen. Quand tu es en procès avec un homme de Dieu, même quand when tu penses que tu as raison, Dieu se met de son côté. God is by himself. C'est comme ça. On dit quelqu'un, un policier qui en tenue, policeman, on ne le gifle pas. We did not slap him. Il t'a mal parlé, tu le gifles. C'est la prison. We did not slap him. If you slap him, en nécessité ses fonctions, qu'elle en tenue là, quelque chose pas laisser plaindre, mais tu ne le gifles pas. Quand tu le fais, tu comme ça. En exercice, il en plein exercice en tant que serviteur de Dieu. He's serving. Tu te ligues contre lui. If you raise up against him, ferme le ciel sur toi. C'est pour ça que dans les églises, il y a des gens qui sont là, mais qui sont déjà morts spirituels. Churches, ils sont là, ils ne sont pas bénis. Parce qu'ils passent pour leur vie en train de murmurer contre les serviteurs de Dieu. Vraiment, Romains, le chapitre 13, le verset 1 en 2. Amen. Il ne faut pas dire que Dieu s'est levé matin, il est malade, il ne peut pas venir choisir pour faire création parce qu'il n'a rien à faire. C'est lui qui considère, et c'est par lui qui vous parle. Amen. C'est vrai qu'il est des enfants de Dieu, mais son représentant, c'est lui. Amen. C'est quand vous levez contre un préfet, vous attaquez le président de la République. That's why when you resent against the prefect, est-ce que vous ne savez pas? Like you did it. Celui qui représente le président de la République ici, c'est le préfet. Because he's the representative of the president. Vous l'attaquez, c'est comme vous avez attaqué le président de la République. Means you attack the president. Quel que soit ce qui vous l'attaquez. Un homme de Dieu, quel que soit ce qu'il est, quel que soit tout, dès que vous avez affaire à lui, Dieu se met de son côté. Trouble with him, God stays by his side. Quand Marie et Aaron vont commencer à murmurer, je vais revenir là-dessus. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais prenez Deutéronome le chapitre 13 à partir. Je suis en train de vous donner le pied à part, c'est-à-dire les principes de la chrétienté, les choses pour que Dieu grandit. Amen. Allons-y. Romains le chapitre 13, verset 1 à 2. Romains chapitre 13, du verset 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. What God has appointed. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Une condamnation sur eux-mêmes. Will incur judgment. Dans la loi de Dieu. In God's law. La loi de Dieu. God's law. Un nom de Dieu. Of God. Peu importe son âge. No matter what his age. Tu dois le respecter. You need to respect him. En Côte d'Ivoire. In Côte d'Ivoire. Qu'elle soit une fille, une dame. No matter what she is. Elle est policière. Il est policier. Même si la life de ton fils, il te cible, tu gardes d'abord. When et c'est pas encore ce qui se passe partout. C'est partout. We have it everywhere. Un homme de Dieu. The man of God. Tu t'opposes à lui. You're against him. Dieu ferme sur toi. God will close his hand on you. Nous prenons des prénoms. Le chapitre 12. Nous allons terminer par là, je poursuis encore. Parce qu'il y a les gens qui ne grandissent pas. Qui sont dans les. Nombre, le chapitre 12. Nombre, chapitre 12. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. On dit Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Au sujet de la femme éthiopienne. Il a envoyé une loi. Je vais l'expliquer en même temps pendant qu'il est. Il a envoyé une loi. Et dans la loi, il ne doit pas marier une femme étrangère. Lui, il avait déjà Sophora. Il avait déjà Sophora. Une femme éthiopienne.
helped to pimp woman. You brought the law. Et toi, tu la respectes pas. And you did not respect it. Ils ont dit, mon ami, mire ton. Moi, ils ont dit, c'est moi. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Oh Dieu, oh non. Moi-même, il y a des gens qui pensent qu'ils sont serviteurs de Dieu. C'est dangereux. Il y a des gens qui disent, ah non, moi-même a dit qu'on t'a dit. On t'a dit. Tu t'as pas dit. Tu es sorcier. You're sorcier. C'est pas quelqu'un qui vient te dire. Nobody can, has come to tell me. C'est Dieu qui te parle. God is talking to you. C'est ce qu'il dit, il y a des gens qui. Dieu révèle les choses. Mais quand Dieu t'appelle, il te parle. C'est pas quelqu'un qui vient te dire. Dieu lui-même, il te parle. But God himself is telling you. Ne vous comparez pas, non? Non, moi, je suis serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu comment? How? But how? Tu es serviteur de Dieu comment? How are you a servant of God? On m'a dit ça, qui t'a dit? Who told you? C'est pas quelqu'un qui doit venir te dire. Nobody has to tell you. C'est Dieu qui doit te parler. God must talk to you. Désormais, il faut qu'il y ait une histoire. Therefore, there must be a story of your appeal. De toi avec Dieu. You and God. Il faut te faire former. You must be. Il faut avoir la consécration. Must be. Sinon, quelqu'un t'a dit, ça n'est rien dit, tu n'es pas serviteur de Dieu. Ne t'aimais pas sur ce terrain. Pour attaquer l'homme de Dieu. To attack a man of God. C'est dangereux. It's really dangerous. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. On dit Dieu a entendu. Moïse est entendu. Puisque Dieu, c'est lui qui l'emploie, c'est lui qui a entendu. And the Lord answered. Il va commencer à prendre la défense de Moïse. Or, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Vous conseille, il vous convoque, il y a un procès. On va aller au procès. Et ils y allaient tous les trois. Tente d'assignation, c'est l'église. Allons-y. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il est descendu dans la colonne. Et il se tint à l'entrée de la tente. À l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Écoutez très bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. On a comme l'écrit, il est fidèle. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans ennemi. Je me révèle à lui sans. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Bref, la nuée se retira. Oh là là, la nuée qui symbole de bénédiction. La nuée s'est retirée. C'est fini. J'ai dominé. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre. Elle est frappée de la lèpre, une fois, c'est fini. Blanche comme la neige. C'est fini, frappée. Elle est devenue impure. Frappée de la neige. La lèpre, frappée. La lèpre, c'est impure. Donc elle doit être isolée. Et quand vous révélez, vous levez. Quand son serviteur, vous l'aimez dans la loi de Dieu, dans la maison de Dieu. Quand vous venez, il y a une loi, une rébellion contre un serviteur de Dieu, murmurez contre lui, cherchez à faire des complots contre lui, mais Dieu vous frappe et Dieu se retire de vous. Et donc, quand vous venez, votre mentalité, c'est là-bas que vous insultez les chefs. Dieu, c'est la monarchie. C'est un royaume. It's like a kingdom. Et la monarchie, on respecte les rois. We respect him in the kings. C'est pas une question de barmade. Non, non, ils sont là respecter les chefs. But we need to respect the chiefs. Donc, c'est une loi. Quand tu es né de nouveau, ça se lit dans ton comportement. Or, Jésus dit, vous êtes mes disciples. Donc, la discipline. Est-ce que tu as ça en toi? Do you have tu es discipliné. Tu respectes ta Do you respect Tu respectes ton Do you respect people around Parce que c'est tout ça.
Because we have ton comportement change. On voit une transformation dans ta vie. Nous allons bénir des vous. Chacun d'entre nous va demander au Seigneur de l'aider ce matin. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance se produire dans nos cœurs. C'est à partir de ça avec un miracle du Seigneur. Nous allons prier. Let's pray. Nous levons les mains. Nous levons les mains. Et nous demandons au Seigneur aujourd'hui, j'ai besoin. Today de ma vie change, j'ai besoin d'une nouvelle naissance. Prions ensemble, Seigneur. Je vois tout le monde, prie. Je vois tout le monde, s'il vous plaît. We all stand up. Je veux voir tout le monde prier. I like to see everybody pray. Je veux voir tout le monde. I like to see everybody pray. Je veux voir tout le monde prier. I like to see everybody pray. Alléluia. Merci, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci. Thank you. Merci d'agir. Thank you, Lord. Merci de te manifester. Au nom de Jésus. Nous prions les Seigneurs. Nous prions. Pray the Lord. Oh, alléluia. Notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci de nous aider. Merci de changer. Merci de nous soutenir. Nous comptons sur ton soutien. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous comptons sur ton aide. Merci de nous transformer. Merci de nous transformer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous continuons de prier. Keep on praying. 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 Nous continuons. Que produisent nous cette nouvelle naissance, que nous transforme ce soir. Que nous transforme ce matin. Et que nous transforme ce matin. Et la gloire de Dieu. The glory of God. La gloire de Dieu. The glory of God. Il a vu les chacun d'entre nous. Recevez la gloire de Dieu. Receive the praise. Alléluia. Merci Jésus. Merci de prier. Manifesté. Merci. Thank you. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bless you. This is it. God's glory. Si je vis, if I live, mais asseoir la gloire. It is for God's glory. Seigneur, Lord, je prends la résolution. To take the resolution. De laisser cette tâche. To give God certain things. Je n'ai plus fréquenté les endroits où to tu n'es pas. To be, not to be the place where you are. Heureux. Parce que je suis enfant de Dieu. Because I'm et j'ai ton peur. Attends, tu vas l'église aussi. Non, hein? J'ai attrapé la Bible comme ça. Tu peux dire Seigneur. You're praying of the Lord. Et le Seigneur aura rendu toi. But the Lord will be ashamed of quand tu es dans un public, when you are in ton place, intervention, your words, et s'asseoir. Et ça, j'ai démontré. Baby, après ça, with la parole, your word, la manière d'agir. Your way of speaking. Même si le Facebook, even on Facebook, sois sage. Be wise. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Behave like son of God. Ah oui. Nous ne sommes plus de ce monde. You know more. We know more. Si tu ne rentres pas dans cette maison if de Dieu, don't enter, tu vas beau venir dans cette église. Tu vas beau prier. Mais la nuit, c'est la nuit. Respectez les hommes de Dieu. Respectez les hommes. Respectez. If you respect them, vous serez bénis. Vous ne voyez pas Dieu. Don't you see God? Mais c'est au travers de nous. Et Dieu passe pour vous bénir. God is blessing you. Vous devez prier pour nous. You need to pray for us. Amen. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui n'expose pas son père. Vous voyez un homme, quand on expose, il parle, c'est pas un bon, c'est un enfant. C'est pas un bon. Non, pas adopté. C'est un enfant du diable. Il est venu se mélanger parmi les enfants de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.